La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. J'espère que vous passez quand même un bon petit week-end. On se retrouve aujourd'hui avec Foufi. Salut. Ah, t'es plus timide en vidéo, hein, Foufi. Ouais, un tout petit peu. Il est plus timide. Dans 5 minutes, ça va chier. Et je me disais qu'il fallait absolument qu'on filme sa voiture. Parce qu'elle est incroyable. La famille, la voiture de Foufi. T'as vu le petit retournement de caméra? C'est beau. C'est ça, là, on sent les 10 ans de métier, frérot. Mais c'est un talent. Hein. C'est un talent, mais j'ai toujours pas acheté de micro. Dieu merci, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Alors écoute, mon cher Foufi, ce que je te propose, c'est que je fasse un tour déjà comme ça en filmant. Il commence à avoir du vent, je suis très content. Et ensuite, tu vas nous dire tout ce qui a été fait sur la voiture. Ça roule. La couleur est vraiment folle. La couleur, elle est... c'est ça qui m'a fait craquer. Elle est incroyable, la couleur. La couleur et autre chose aussi. Ah, en fait, plus je la regarde, plus je me dis, putain, quand même, il y a des petits détails que j'aurais pas soupçonné. T'es un puriste, mon Foufi. Ouais. Tu sais pourquoi t'es un puriste, frérot? Parce que pour mettre le petit TTRS et juste ça en carbone bleu, c'est que t'es un puriste. C'est les petits détails qui font la différence. Alors, vas-y, mon frérot. Donc, TTRS de 2010, donc MK2. Donc, la couleur en Audi exclusif, bien sûr. D'origine, hein. D'origine. Donc, bleu sépang. Ouais. Elle est toute option. Et boîte méca. C'est pour ça aussi que je l'ai pour récupéré. Les puristes. C'est ça. Et les jantes sont en catalogue, frérot. C'est ça. Les jantes qu'il y a dessus, c'est des jantes au catalogue Audi. Donc, c'est très bien. Ouais, exactement. C'est une voiture, qu'est-ce que tu as fait dessus jusqu'aujourd'hui? Là, je l'ai récupérée en stage 2. Elle donc, était déjà en stage 2. C'est ça. Donc, ligne complète des kata, admission, échangeur. Qui développe 430 chevaux et à peu près 650 de couple. Ouais. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les jantes. C'était pas ces jantes-là quand je les récupérais. Et j'ai posé un kit R au niveau des suspensions. D'accord. Donc c'est ce que tu as tout fait sur la voiture. Et okay. Après, 2-3 détails comme les logos Audi en noir. Enfin, vraiment que ça. En fait, elle était déjà très bien. À la base, la config, elle était vraiment parfaite. Et après, j'ai joué que sur des détails. Ok. Alors ici, donc, on peut voir le petit logo R en carbone bleu. Et c'est une très bonne idée que tu as eue. Ici, le logo peint en noir. Elle a une très belle ligne. La TT, c'est une belle voiture. Ouais, non, franchement, c'est... Là pour aussi, deux personnes, c'est très bien. Pour deux personnes, c'est top. Les jantes incroyables. Elle est vraiment là pour le coup, elle est vraiment posée au sol en fait. Elle est vraiment posée de chez posée. Là c'est anti-vol. Ouais, là c'est chiant de la voler, ouais. Ça c'est ton Instagram, mon frérot. C'est ça. Donc vous pouvez donner de la force à Foufi, c'est vraiment la famille. Les petits rétros en carbone. C'est ça. Pour la passion. Toujours la passion. Et pour l'émotion. Aussi. C'est vraiment posé. Putain. Les jantes, elles sont très belles. La config des jantes, elle très, est très, très, très belle, ouais. Incroyable. Ouais, la config des jantes, elle est vraiment très, très belle. Et encore, il y a un embrayage renforcé aussi. Ouais. Ouais, c'est on l'a pas, ouais. On l'a pas dit. Désolé. Je viens d'y penser. Bon, là, on racle le sol. Hein. Alors. Bah, c'est fini, là, tu passes plus rien. Qu'est-ce que t'as eu comme voiture, Foufi, avant ça? J'ai eu Ibiza, TDI, ouais, ouais. Hein, bien sûr. Elle fumait? Un tout petit peu, pas grand-chose. Pas grand-chose, d'accord. Un petit peu. Et après, je suis passé, donc, Leon 2 Cupra. Ouais. L'ancienne Domica, justement. D'accord. Sa toute première. J'ai eu ça, j'ai eu un Golf 5 GTI aussi. Ouais. Vraiment préparé... pas mal, qui faisait ouais. À peu près la même puissance que la TT. D'accord, ok, quand même. Et à un moment donné, j'avais les deux. Ouais. Je conduisais à peu près les deux en même temps. Et pour te faire une idée, quand on jouait en Allemagne, oui. la Golf était devant le TT. Ah, d'accord. Donc, mais t'as préféré garder le TT. Ouais, ouais, ouais. Bah après, des voitures préparées, c'est bien, mais... c'est, tu sais, c'est de l'entretien, faut faire vraiment attention, bien sûr. Etc. Et c'est vrai que c'est vraiment un coût financier. Et quand on a ce petit bijou à côté, enfin, le choix était... Ouais, il y a un choix à faire et c'est vrai que je suis parti. Et puis même le 5 cylindres, le 2 litres 5, 5 cylindres de chez Audi, enfin, c'est bien sûr. Un moteur tellement mythique. Ouais, c'est vrai. Que personnellement,
si je devais prendre une autre caisse après, enfin, ça sera pas en dessous qu'un. Ça sera pas autre chose que ça, d'accord. Bon, bon. Mais t'as raison, le moteur est incroyable. D'ailleurs, tu peux nous le montrer, frérot, s'il te plaît. Ça roule. C'est vrai qu'en fait, quand il n'y a pas de plaque, c'est incroyable. Ah, la face avant. La face avant Audi, c'est vrai qu'elle est, elle est légendaire, quoi. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est beau. C'est propre, c'est taffé. Ouais, c'est ça. C'est... Bon, après, putain, c'est... le John, jusqu'à il a collé sa pub ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est moi qui ai un peu bégayé sur le coup, mais, mais bon. Salut John. Là, John, c'est la famille, frère. Non, non. Et je tiens à dire que tout ça là, les pièces en carbone, c'est d'origine. C'est d'origine, ouais, on dit. Hein. Elle est sortie d'usine avec cette pièce là. Ouais, ouais, ouais. Franchement. Ouais, c'est franchement. C'est bien. C'est beau. Ça fait plaisir. Je peux ouvrir ? Ouais. Alors elle a une config qui est aussi sympa. Hein. Ouais. Donc avec. C'est quoi comme. Comment on peut appeler ça en fait comme détail ? Je sais pas ce qu'on peut appeler comme. Moi j'appelle ça le cuir TT. Le cuir TT. Ah oui, parce que putain, on dirait. Il y a écrit TT. C'est le logo TT en fait, incrusté. Merde, bah. J'avais jamais vu. Putain, tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas. C'est vrai, bravo, okay. Bravo frérot, bravo. De rien. Bravo. La famille, dites-nous si vous avez, ça vous a surpris dans les commentaires. Boîte méca, hein, évidemment, ça c'était obligatoire. Le petit volant fait maison, ça fait plaisir c'est aussi. Ça. Bah, c'est le même, la même personne qui a fait le volant de Noémie sur sa Cupra. Oui, d'accord. Donc, c'est la même maison qui m'a fait le volant. Comment il s'appelle? On va lui donner un petit coup de boost gratuit de la famille. JT Tayloring. Oh là là, Tayloring, tu me dois au moins 8 volants. Non, je rigole aussi, c'est, ça fait plaisir. Et c'est la famille. Alors, petit détail, frérot, est-ce que ça c'était d'origine? Attends, non. Tu peux. Comment on. On va l'avancer pour bien voir. Mais tu veux que j'ouvre le coffre directement? Oui, je veux bien, je veux bien. Je veux bien, je veux bien, mon foufi. C'est une bonne chose, frérot. Voilà. Alors, ça c'est toi qui l'as fait, hein? C'est ça. D'accord. C'est notre ami Alex. Ah, c'est du coffring? Oui. Ok, d'accord. Donc, c'est le frérot Alex qui a fait ça. Exactement. Ok. Et là derrière, donc t'as le compresseur. C'est ça, le compresseur est juste en dessous en fait. J'ai tout ce qui est parti. Enfin, ça c'est la cuve d'air et tout le compresseur est en dessous en fait. D'accord. Je voulais garder en fait mon coffre. Tu sais, quand je pars en week-end, au moins. Au moins pour avoir du coffre. Ok. Eh bien écoute, il nous reste à exécuter l'essai routier, frérot. Je vais te laisser remettre tes plaques le temps que je prenne place dans l'auto. Parce que moi, comme je suis bien gras, frérot, pour que le temps que je m'asseye, que je m'asse. La famille, au fait, je voulais vous dire, maintenant que j'en profite de filmer la tétée, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est une vidéo que j'ai postée évidemment à 2h du matin, salut, et ben j'ai raconté finalement l'histoire de ma tétée RS, 10 ans après, et je donne aussi des nouvelles de la R21 de litre turbo. Donc, pour éviter que vous ratiez cette vidéo, je vais la mettre à la fin, dans la suggestion de vidéo, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. J'avais vomi, et voir tout ça la famille. J'espère que vous passez un bon week-end et que vos proches et les gens que vous aimez se portent bien. Nous, on est parti pour un tuning. Donc là, en fait, tu as tout le l'unité de commande, en fait. C'est ça. Ça, c'est du de l'air. De l'air. Sinon, c'est tout. Quoi d'autre? La petite migraine. Oui, c'est la petite migraine, bien sûr. Mais il commence à être fatigué. Ouais, il est fatigué. Il est moins migraine que les autres. C'est ça. Mais on va s'en occuper pour remettre une dose. Très bientôt. Hop. Donc alors du coup, tout est déjà programmé. Tac. Et là, la voiture se lève. C'est ça. Et là, évidemment, il y a le bruit du compresseur. Hein. Ouais. On peut pas faire autrement, hein, frérot. Il n'y a pas le choix. Faut patienter. Ça fait combien de temps qu'elle est sur R? Ça va faire à peu près un an et demi. Et il n'y a jamais eu de problème? Jamais. Ok. Jamais. D'accord. Bon, c'est bien. C'est fiable? Ouais. Ok. Et puis même niveau confort, enfin. Ah oui, niveau après, confort, tu peux. Tu peux tomber sur un Dodan ou. Enfin, quoi. Qu'est-ce qui se passe sur la route? Tout en roulant, tu peux régler la hauteur en fait. Oui, 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 bien sûr. Donc ça aussi, c'est vraiment top comparé à, tu sais, à des combinés ou des ressorts courts. Où t'es dans la merde toute la journée. Ouais, soit ça, ou soit tu te dis, bon, bah, c'est la lame qui y passe. C'est ça, c'est ça. Donc,
donc. Eh bien écoute, on peut y aller, hein, mon cher Fofi, nous faire un petit tour comme ça pour histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc, alors pour moi, c'est le seul point positif du Air Ride, c'est ce bruit de compresseur. Alors c'est temporaire évidemment, mais bon. Donc là, ouais, j'ai oublié de le dire aussi. Tant que j'appuie pas sur le bouton sport, je suis d'origine. D'accord. Dès que j'appuie sur le bouton sport, en fait, la carto se met, okay, et ça switch directement. D'accord. Bah, ce qui est bien aussi. Ouais. Ouais, parce qu'avec l'embrayage renforcé. Oui. En ville. Ou dans les bouchons. Bah, tu m'étonnes. Genre la 86. Ça doit être compliqué avec l'embrayage renforcé, ouais. C'est chiant. C'est ton daily? Non, j'ai d'autres véhicules à côté. Ouais. Mais je le roule quasiment dès que je peux, je roule avec. D'accord, pour le plaisir en fait, ouais, c'est ta voiture plaisir. C'est tellement. Enfin, c'est tellement un kiff. Hein. Le tout. Tu t'en lasses pas, hein? Non. Ok. Ouais, c'est bien. Je pense que ce qui est bien, c'est la diff, c'est la boîte méca sur cette voiture. Ouais, bah tu vas voir, on va respecter les limitations de vitesse, mais... Mais quand même, frérot. Après, je peux pas dégriner, enfin, de dire du mal, tu sais, des boîtes auto, mais c'est tellement efficace que, en fait, tu sais que... Le plaisir est différent. Ouais, voilà. C'est... Tu vas appuyer sur sport. Là, c'est fait. Allez, j'ai filmé ma grosse gueule, ça va être beau. Putain, la salope! Ah ouais! Purée! Ça m'a bouché les oreilles! Ah, t'es pas tout seul. Ça s'est su. Elle marche, hein, Fofi, hein. Ouais, ça va. Ça se déplace plutôt bien. Ça marche bien. Après, t'as les sensations de la boîte méca aussi, t'as vu? Oui. Mais elle marche bien. Après, ah ouais, quand même. Hein. Perso, je veux pas aller plus loin. Enfin, pour moi, tel quel. Et pourtant, je l'ai récupéré comme ça. Hein. Pas, oui, tout est. Voilà. Ok. Et pour moi, ça me va. Large. Incroyable quand même, marche. Putain. Et le son est incroyable. Ah, le son. Ouais, il y a une belle relance là. Et puis c'est roulable tous les jours, attention. Hein. Ouais, non, c'est. C'est important de le dire. Exactement. Maman, ce qu'elle marche la voiture. Je suis choquette. C'est beau. Mais c'est très beau. Qu'est-ce qui te fait rêver comme voiture, Foufi, là, le temps qu'on fasse demi-tour pour reprendre dans l'autre sens? D'ailleurs, on peut même sortir là, hein, si tu veux. Ouais, c'est ce que je vais faire. Une voiture qui me fait rêver. Après celle-là. Bah c'est ça qui est. C'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sais pas quoi prendre par rapport à... au moteur. Maintenant en plus t'as des boîtes auto partout, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que va falloir que je retrouve à peu près la même sensation au volant qu'avec celle-là, mais avec une boîte auto, c'est complètement différent. Bien sûr. Mais à la rigueur, le dernier RS4, d'accord, le B9 là, si je dis pas de bêtises, ouais, il pourrait me faire de l'œil. Mais sinon après, le M2 aussi. Ouais, t'aimes bien. Bah, comme toi, ouais, en boîte méca, c'est. Oui, en boîte méca, c'est très ouais, con. Ouais. Franchement, Donc tu resterais dans. En fait. Ça serait de partir sur un break, c'est ça, soit de rester sur un petit coupé sympa, quoi. Ouais, okay. Voilà. Mais tu aimerais quand même rester chez Audi, évidemment. Ouais, c'est enfin ouais. Tout le groupe VAG, t'as vu, j'ai ouais. Eu Seat, ouais, c'est ton délire. Ouais, c'est ça, d'accord. C'est, d'accord. Je porte ça au cœur, en fait. Ah, c'est bon, la passion, la passion. On va se refaire une entrée d'autoroute, mon frérot. Ça roule en rentrant tranquille. T'es lourd aujourd'hui, hein. Ouais, il Les beaux jours reviennent. Encore heureux.
Parce que là, la pluie, là, ça va 5 minutes. Hein. Bah, c'est vrai que là, on a eu quand même pas mal de pluie, ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que donc avec l'air, le confort est pas mal. Ouais, tu vois, c'est. C'est pour, pas. Pour que. Enfin, la plupart des gens, ils me disent oui, mais l'air, par rapport à la puissance, ta voiture, elle peut être chewing-gum ou. Bah, tu ouais. vois, quand. C'est pas chewing-gum, non. T'as plusieurs kits d'air. Bon, moi, ça m'a coûté un billet, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, on en a pas. Putain, je suis en ouf, on a même pas parlé de prix. On est comment sur tout. En fait, combien t'as coûté la voiture? La voiture m'a coûté 38. D'accord. Et. Avec le tout, ouais, tu rajoutes 5. D'accord. Qu'est-ce qu'elle est belle. Merci. Elle est belle, hein. Ah, super. Ouais, donc t'es quand même sur un billet, ouais, c'est vrai. Après, certes, pour le prix de l'air, il fallait pas non plus te tromper. Non, voilà. Ça sert à rien. L'erreur à 5000, elle est chiante. C'est ça. Je voulais pas acheter un kit, parce que t'as des kits à 1000 euros ou un peu moins cher. Ouais. Mais ça m'intéressait pas personnellement de pas kiffer en fait la voiture. Oui, non, bien sûr, certes. Comme la passion n'a pas de prix. Et certes, frérot, certes, c'est beau. Question bête, tu payes combien d'assurance si c'est pas indiscret? Là, donc moi, je suis en tout risque plus avec cette voiture-là et je suis à peine au-dessus des 100 euros. D'accord. C'est bien. Ouais, c'est plutôt correct. Ouais, c'est correct. C'est très correct. Jusqu'aujourd'hui, le record de toute la chaîne, c'est 600 euros par mois d'assurance. Sérieux? Ouais. Ah, quand même. Sur une Phaeton. Une Phaeton. D'accord, ok. Mais W12? La Phaeton? Je crois que c'était un TDI. Un V10 TDI. Ah ouais? Je crois. Je suis désolé, la famille. C'est l'une de mes premières vidéos de la chaîne. Ok. J'ai un peu la mémoire courte, mais je me rappelle bien du prix. 634 euros, je crois, par mois. Ah, c'est un peu... Ah, là, c'est chiant. Ah, là? Là, il y a quelque chose qui va pas, frérot. À ce prix-là, tu cartonnes, t'as plutôt intérêt à qu'ils te trompent. Non, c'est, là, tu cartonnes, frérot, ils viennent en hélicoptère te chercher, c'est sûr. En jet privé. C'est ça. Je serais toi, Foufi, j'irais taquiner le petit SL4 passionné devant eux. Et c'est le KMG, ouais. Maman, qu'est-ce que c'est beau. SL4 passionné. 55 AMG! Ah, il n'est pas joueur. Non, on paraît qu'il n'est pas joueur? Non, cheveux au vent. Ouais, cheveux possible. Au vent, c'est pas possible. C'est une belle. Moi, tu sais que j'aime beaucoup ça. Hein. Ah, c'est mignon. Hein. Ouais, le SLK, l'AMG, il est frais. C'est une voiture qui est fraîche. Mais je pense pas qu'il a envie de jouer. Ah non, ah, il a pas envie de jouer, c'est dommage. Cheveux au vent. Dommage. C'est une maman? Ah, ah, c'est normal, c'est une maman. Ah, désolé, madame. Ah, ça lui va bien. Elle est fraîche. C'est bien, ça fait plaisir. Ta toute première voiture Foufi, c'était quoi? C'est un Tibiza. Teddy. Elle fumait? Léger. Très léger. On respectait déjà l'écologie à l'époque. En vrai, c'est silencieux, la ligne est bien taffée. Hein. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, tu as déjà à la base, tu as un clapet d'origine. Oui, bien sûr. Quand tu sais, tu appuies sur. Sur le bouton sport, en fait, tu ouvres le clapet. Ouais. Et en fait, la ligne Multec qui a été rajoutée, ça récupère en fait le clapet d'origine. Le même système avec le clapet. Donc en fait, là, tu vois, je suis plus en mode sport, elle fait aucun bruit. Tu vois, c'est. Et dès que j'appuie sur le mode sport, la carte se met et ça ouvre la valve. Ça ouvre la valve, ouais. Multec sont forts pour Audi. Ouais. J'aime bien Multec. Et puis même, c'est plutôt agréable aussi quand tu sais, tu fais beaucoup de route et tout. Ah bah oui, non, attends. À ce prix-là, non, t'as envie d'être tranquille dans ta ouais. voiture, frérot. Faut pas non plus que ça soit un truc. Déjà que. Faut pas non plus que ça soit un truc qui te prenne la tête c'est toute clair. La journée. Et puis, déjà qu'ils nous ont fait une banquette arrière, c'est plus un vestiaire qu'une banquette. Oui, c'est un vrai perso, vestiaire. Ouais. Non, mais c'est incroyable. J'ai quand même réussi à niquer un dans une TTRS. Sérieux? Ouais. Respect. Respect, parce que moi. Ouais. Pas assez souple. En plus, j'avais quand je suis gros. C'est beau. Assez souple. En tout cas, merci mon Foufi d'avoir fait cette vidéo, ça fait plaisir évidemment. Merci. Et je sais que ça va plaire à la famille. Et puis bah frérot, tu peux nous rappeler ton Instagram. Donc c'est JUTTR comme de l'air tiré du bas S. Et d'ailleurs, pourquoi les gens t'appellent Foufi? Foufi? Ça c'est à cause de la psychiatrie aussi. Donc non, c'est mon. En fait, on a tous des petits surnoms et mon petit surnom à la psychiatrie c'est Foufou. Voilà. Ouais. Alors ce qu'ils appellent la psychiatrie, pas de panique la famille, c'est le pôle
AutoLED, fresh detailing, cover style, voilà, ils appellent ça la psychiatrie parce qu'ils sont tous fous, mais je peux le confirmer. Et voilà, le petit surnom, c'est Foufi. Voilà. Merci Foufi. Pas de rien, la merci famille, à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la clochette de notification. Ma vidéo de la TTRS va être dans la suggestion de vidéo. Et puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle, un nouveau reportage frérot. Voilà, ça va être beau, vidéo de chasse ce week-end sur ma chaîne secondaire. Qu'est-ce que tu penses de la chasse? Tu m'as jamais vu hein? Non, tu vas rigoler. Non, je te laisse vraiment la surprise. Vas-y la famille, bonne journée à vous. Merci mon Foufi. De rien.